Je vous ai botté la carapace. Et je n'ai même pas utilisé le canon laser. Admettez-le, les gars, avec ce robot, je suis invincible. Ah ouais? Tu vois très bien ce que je veux dire. Maître, je vous demande la permission de tester tête d'acier en surface ce soir. Accordé. C'est totalement injuste. Vous ne pouvez pas m'interdire de... Hein? Quoi? Tu t'es fabriqué une nouvelle arme. C'est important de la tester. C'est génial! Merci, Sensei! Mais ce n'est que pour un galop d'essai. Je t'interdis de l'envoyer au combat, compris? Comptez sur moi, maître. T'as l'intention de l'envoyer au combat, pas vrai? Carrément! À mon tour, maintenant. Vous allez goûter à mon laser. Ah, dans le mille. Hé, Raph, ça fait quoi d'être ridiculisé par un grippin? Non! J'ai perdu le contrôle à distance! Qu'est-ce qu'il fait, ce Krang? Oh oh! Les gars, est-ce que vous m'entendez? Fuyez! Vite! Ce qu'on appelle les tortues seront dorénavant appelées les tortues qui ne sont plus! Ouh! Ils me fichent toujours les chocottes quand ils commencent à parler, mais comme ils disent n'importe quoi, la plupart du temps, je finis par décrocher. J'ai rien dit, j'ai les chocottes. Ah, oh, tu vas marcher, oui. Peut-être que si je déconne... Donatello, ce n'est plus le moment de jouer à des jeux vidéo. Quelle entrée, ça fracasse! Je m'occupe de tête d'acier! Chargez-vous des Krang! C'est celui qui a pris la technologie qui était la technologie des Krang! Approche! Montre-moi ce que tu sais! Ça recommence! C'est peut-être jouable. Hé, Krang! Celle qu'on appelle ta mère va finir en beignet de calamar frit! Le commentaire qui a été fait par toi montre ton ignorance des Krang. Celle que vous appelez ma mère. Viens me chercher, sale poulpe! Et ça fait bizarre quand c'est lui qui le dit. Pas plus bizarre que quand c'est toi. D'accord. Arrête. Ça va, j'ai compris. Tu es blessé? J'ai juste pris un coup à l'ego et à chacun de mes organes internes. Oh. Ah,
Ouais, je t'ai eu cette fois. Bon, d'accord, on a le singe. Mais on n'a toujours pas retrouvé la trace du docteur Rockwell. Eh bien, je pense que c'est le docteur Rockwell. Ça suffit, Falco. On a une autre dose de vos... Évite de dire singerie, Léo. T'inquiète pas, j'allais pas employer ce mot. C'est exactement ce que tu allais dire. C'est terminé, Falco. On sait que c'est vous qui avez transformé Rockwell. Je me suis servi de lui comme cobaye. Eh oui, bah, c'est raté. À la place, vous avez obtenu un singe. La substance qui confère le don de voyance que j'ai extraite de son cerveau est en train de me changer. Vos esprits n'ont plus aucun secret pour moi. Vous aviez donc tout planifié. Cela va de soi. Nul ne peut vous battre lorsque vous pouvez lire dans les pensées de l'autre. Ah oui, vraiment? Alors vous devez savoir que je vais vous placarder contre le mur, moi et ma blouse blanche. Comme c'est amusant. Ouais, vous avez deviné. Ça alors? Comment on va le battre s'il peut lire dans nos pensées? T'as face tâche, il suffit seulement de faire comme moi, se battre sans réfléchir. Mais attends, comment je peux me battre sans réfléchir? Oh non! Si je réfléchis à ne pas réfléchir, c'est fichu! Tu n'as aucune chance face à un adversaire qui peut anticiper tous tes coups. Une fois que je me serai débarrassé de toi, plus personne ne pourra m'arrêter. On va voir ce qu'on va voir. Je suis vraiment admiratif devant un cerveau aussi complexe que le tien. C'est fou la quantité d'idées qu'il en sort. Dommage que je sois en mesure de toutes les voir venir. À propos, crois-tu sincèrement que tu aies la moindre chance avec cette fille, April? Je peux le faire. Il faut juste que je me batte sans réfléchir. Arrête de penser! Arrête de penser! Arrête de penser et contente-toi d'agir. Tony, t'as assuré! Ah, t'as vu? J'avais raison quand je te disais que les saltos, y'a que ça de vrai! Oh non, il a disparu! Et lui, les gars, on en fait quoi? Je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression qu'il nous remercie! S'il réagit mal aux pensées négatives, New York risque de lui mener un peu la vie dure, non? Hé, hey, toi, le singe, dégage du passage, sinon je vais te... Nous sommes là, Xavier. Maintenant, relâche le spécialiste de la nouille. Désolé, mais il y a eu un changement de dernière minute. C'est drôle, pour nous aussi, il y a eu un changement de dernière minute. J'adore les changements de dernière minute qui s'annulent. J'ai une proposition pour toi. Tu relâches notre ami et on relâche le tien. Tiens, ce type n'est pas mon ami. Je te préviens, c'est sérieux. Si tu refuses l'échange, on le jette dans le vide. Allez-y, faites-le. Je me fiche complètement de son sort. Raph? Oh, c'est pas vrai. Oui, c'est bien ce que je pensais. Attrapez-les! Ah,
Comment tu pouvais savoir qu'il bluffait? J'ai pas trop cherché. Ouais! Nous y voilà. Finissons-en, espèce de tortue d'égo. Tu oublies qu'il t'aurait jeté du toit, pas nous! Tu vois, Bradford, voilà comment ça se capture des tortues. Et maintenant, je vais te montrer comment ça se découpe. Tu ne les aurais jamais attrapées sans mon aide, et tu le sais. Ah oui, c'est vrai. Je me demande bien comment j'aurais fait sans ta stratégie et tes conseils donnés depuis l'intérieur de cette poubelle. Maintenant, tu m'excuses, mais l'heure est venue pour moi de découper ces tortues en rondelles. Je ne crois pas, non. Je le tiens, c'est bon. Super réflexe, Mikey.